Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur BB24. Voici le sommaire. Aujourd'hui, 5 décembre, la communauté internationale célèbre la journée de l'égalité des chances. Objectif, sensibiliser sur l'importance de garantir à tous les hommes les mêmes droits. La problématique de l'érosion des sols focalise également les attentions ce 5 décembre. C'est à l'occasion de la Journée mondiale des sols. Les détails dans cette édition. Et puis l'arc-en-ciel, ce phénomène optique se produisant dans le ciel rendant visible le spectre des rayons solaires. L'arc-en-ciel a-t-il une explication scientifique? La réponse est à découvrir. À nouveau, bonsoir et merci pour votre fidélité. Chaque 5 décembre, c'est la journée mondiale des sols. Et oui, ce sur quoi nous posons nos pieds. Cette année, les problématiques liées à l'érosion des sols seront au cœur des débats. Evra Danani et Rodrigue Blondoumé pour plus de détails. Les phénomènes naturels provoquent une usure continuelle des roches et des sols. C'est l'érosion. Selon la FAO, l'équivalent d'un terrain de football est érodé toutes les 5 secondes. L'érosion, c'est l'abrasion des matériaux du sol par des agents. Les agents, ça peut être l'homme, ça peut être le vent, ça peut être la température et d'autres acteurs, d'autres agents. Les activités humaines participent aussi à la dégradation de ce sol. L'érosion grignote chaque année des pans entiers des rivages avec parfois de lourdes conséquences. Elle façonne ainsi les paysages de multiples manières. Les sols érodés ne retiennent pas facilement l'eau, ce qui peut favoriser les glissements de terrain et les inondations. Mais il y a pire. L'agriculture participe énormément à la dégradation du sol. Le fait de couper les arbres, de détruire le couvert végétal participe énormément à la dégradation, à l'érosion. Sols. Il y a aussi nos ménages, le fait de balayer les sols chaque fois. Il existe plusieurs types de mesures permettant de lutter plus ou moins contre l'érosion des sols. Il y a plusieurs techniques. Il y a d'abord l'homme à travers des activités, la protection du sol de par nos activités est liée aux différents aménagements qu'on peut mettre, qu'on peut faire sur le sol. Par exemple, on peut planter des arbres. On peut aussi, il y a d'autres formes endogènes de protection de l'environnement, en beaucoup. Ici, les terrassements participent à la protection du sol. C'est vrai que l'utilisation des machines, des tracteurs et autres peut contribuer à la dégradation, mais quand on va terrasser, ça va réduire moins les effets de l'eau. L'eau, les eaux pluviales qui vont être canalisées vers leur lit. L'érosion du sol est une menace majeure pour la sécurité alimentaire mondiale et la réalisation des objectifs du développement durable. La journée de l'égalité des chances est également célébrée chaque 5 décembre par la communauté internationale. Cette journée, initiée depuis 2015, vise à sensibiliser davantage sur l'importance de garantir à tous les êtres humains les mêmes droits sans distinction aucune. Au Bénin, plusieurs lois vont d'ailleurs dans ce sens, même s'il reste encore beaucoup d'efforts à fournir. Suivez ce reportage pour mieux comprendre. L'égalité des chances est une vision qui cherche à faire en sorte que les individus disposent des mêmes chances, des mêmes opportunités de développement social, indépendamment de leurs origines sociales ou ethniques, de leur sexe, de leurs convictions religieuses, des moyens financiers de leurs parents ou d'un éventuel handicap. Allant plus loin que la simple égalité des droits, l'égalité des chances consiste principalement à favoriser des populations qui font l'objet de diverses discriminations afin de leur garantir une équité de traitement. L'égalité des chances peut être recherchée dans plusieurs domaines d'activité tels que la formation supérieure, l'accès aux grandes écoles, les tests de recrutement et entretien d'embauche et l'accès à l'emploi. L'égalité des chances, c'est le droit de ne pas dépendre exclusivement de la chance ou de la malchance. C'est le droit égal pour chacun de faire ses preuves, d'exploiter ses talents
de surmonter au moins partiellement ses faiblesses. C'est le droit de ne pas rester prisonnier de son origine, de son genre, de son statut. Au Bénin, plusieurs actions sont menées dans ce sens, notamment sur le plan juridique. La loi portant protection des personnes handicapées, votée le 13 avril 2017, garantit à ces derniers la prise en charge sanitaire, le droit à l'emploi, l'accessibilité aux édifices, aux routes, aux moyens de transport et surtout aux matériels électoraux afin de jouir de leurs droits civiques. La politique nationale de la promotion du genre, élaborée en mars 2008 par le ministère des Affaires sociales, œuvre également pour l'égalité des chances. Selon l'UNESCO, vivre dans un monde où l'égalité des chances est une réalité multiplie par 5 au moins les chances d'insertion et de réussite professionnelle. Les initiatives pour tenter de restaurer l'égalité des chances sont donc à encourager. La communauté internationale a commémoré cette semaine la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Selon les historiens, cette pratique a eu d'énormes impacts sur l'Afrique. Dodi Kofi Misséon est enseignant d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi. Il parle des conséquences du phénomène sur l'Afrique et c'est au micro de René Arossi et Stanislas Linkman. Les royaumes africains qui se sont impliqués dans cette traite ont privilégié tellement ce commerce que les activités économiques traditionnelles ont été laissées en rade, je ne dirais pas abandonnées. Mais la traite négrière occupait la quasi-totalité de l'économie du Dahomey, par exemple. L'artisanat, l'agriculture ont connu forcément de recul. Il y a également des interférences entre la gouvernance politique de ces royaumes. Au Dahomey, par exemple, Adandoza fut l'un des tout premiers rois du Dahomey à vouloir s'opposer à la traite transatlantique. Il a trouvé en face de lui une opposition virulente au sein de la hiérarchie royale. Une des principales personnalités de la hiérarchie royale qui a pris la tête de la fronde, c'est la mère du futur roi, Gezo. Alors qu'est-ce que Adandozan va faire? Adandozan va prendre la mère de Gezo et va la vendre comme esclave pour aller voir si cette traite est une bonne chose là. Et tout ceci va conduire à la conspiration qui va évincer Adandozan du pouvoir. C'est pour vous montrer que l'impact n'est pas qu'économique, l'impact est également politique. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les conséquences heureuses existent dans les Amériques. Et chez nous, le rap, le reggae, le jazz, c'est la rencontre entre le tam-tam africain importé d'ici par les nôtres et les instruments de musique du maître européen, c'est-à-dire le piano, le violon, etc. Et ce n'est qu'un aspect. Nos religions traditionnelles ici sont retrouvées au Brésil. Et donc, le transfert de savoir ne s'est pas fait seulement du maître à l'esclave, non. Il y a eu également du transfert de l'esclave au maître. Parlons à présent de ce phénomène naturel ou scientifique. Tout le monde éprouve du plaisir à admirer l'arc-en-ciel quand il apparaît. Mais au-delà de toute la beauté et l'admiration que suscite ce phénomène, peu ordinaire, des scientifiques y trouvent une explication. Suivez ce reportage de Joseph Bonquet-Dotou qui nous éclaire sur le phénomène de l'arc-en-ciel. Un demi-cercle composé de 7 couleurs à l'horizon, l'arc-en-ciel est sans doute l'une des plus atypiques manifestations des phénomènes naturels. Mais au verso de ce spectaculaire décor se cache tout un mystère. L'arc-en-ciel, c'est une divinité qui couvre la terre et le ciel. C'est le Segbulissa, Wekeno, Wekehoswa, on peut dire la lumière de la vie. Nous les font, on l'appelle Daedo Wedo. L'arc-en-ciel représente l'élément air dans l'ésotérique. Et dans notre tradition, quand nous prenons l'arc-en-ciel, c'est cette divinité que nous appelons la divinité d'An. La divinité de la prospérité, de la richesse financière également. C'est une divinité mère qui fait du bien pour l'univers.
Cette divinité serait pourvoyeuse de bonheur à ses adeptes et à toute personne qui place son espérance en elle. Chaque fois que l'arc-en-ciel apparaît, il a un objectif. L'arc-en-ciel sort pour balayer les mauvais sorts là. Habituellement, quand ça sort, quel que soit là où vous êtes, vous demandez de l'eau et vous mettez un peu d'eau par terre pour l'implorer, pour lui dire « sois le bienvenu ». Normalement, ça apparaît au moins une seule fois par an. Quand ça apparaît plusieurs fois dans l'année, ce serait pas bon. Quand la divinité Révisou doit venir sur la terre pour un châtiment, c'est cette divinité qu'on appelle Arc-en-ciel qui se charge de son transport. Cependant, loin des croyances dogmatiques et spirituelles, les chercheurs trouvent en l'arc-en-ciel un phénomène purement rationnel qui n'échappe guère aux explications scientifiques. Le phénomène de l'arc-en-ciel est un phénomène météorologique et lumineux qui se passe dans le ciel. Ça s'explique par d'abord la présence du soleil, l'œil humain, celui qui veut observer, et des gouttelettes d'eau qui sont en suspension dans l'atmosphère. Et l'homme se retrouve le soleil au dos. Le soleil envoie des rayons lumineux qui tapent la goutte. Le rayon incident entre dans la goutte, subit une réflexion, ressort par une réfraction encore. Et c'est en sortant que cela peut taper l'œil. Et le fait que la lumière du soleil est une lumière blanche, c'est composé de plusieurs couleurs. Mais on ne le voit pas en réalité. Cette lumière, en tapant les gouttelettes d'eau, qui se comporte en ce moment-là comme un prisme, ça décompose la lumière blanche en plusieurs couleurs. Donc, chaque couleur est déviée et on a toute une panoplie de couleurs, de rouge jusqu'au violet. En effet, toute formule scientifique s'inspire d'abord de l'irréel. Par conséquent, divinité ou pas, abstrait ou objectif, l'arc-en-ciel demeure une réalité incontestable. Il revient à chacun d'en faire sa propre conception. Actualité hors de nos frontières. En Algérie, les importations céréalières connaissent une chute. L'enveloppe consacrée à l'achat de céréales sur le marché mondial a baissé de 12,5% sur les 9 premiers mois de cette année. Selon les observateurs, cette chute en valeur des importations pourrait être plus prononcée d'ici l'année prochaine en raison de la récente mesure prise par le gouvernement pour limiter les achats de blé tendre, principale denrée de base du pays. Il s'agit notamment de l'établissement d'une limite supérieure d'importation de 4 millions de tonnes de blé par an contre 6,2 millions de tonnes habituellement. Rappelons que l'Algérie consacre environ 3,5 millions d'hectares à la céréaliculture. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité.